Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec une extrême joie pour l'ouverture d'un colis, mais pas n'importe lequel, car il s'agit d'un colis envoyé par la youtubeuse Créakimi. Donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ceux qui ne savent pas encore, Créakimi, alias pour moi Ina, est donc ma meilleure amie actuellement depuis 10 ans. Le jour officiel c'est le 4 août, je le dis parce que je ne sais pas du tout le contenu de ce colis. Donc si ça va sur ma chaîne Ibi World, si ça va sur Ibi Otaku, si ça va sur toutes les chaînes, etc, etc. Pour ce qui est donc de ce colis, c'est donc pour nos 10 ans d'amitié. Et je pense qu'elle m'a un petit peu plus que pourri gâtée. Alors je dis je pense que, parce que honnêtement je vais un petit peu te mentir. Voilà, j'ai déjà, alors ça c'est juste l'élastique, tu sais, qui te mettent là pour tenir la veste, c'est rien. Mais en fait j'ai eu un problème avec la caméra et j'ai ouvert les 7 premiers colis, un truc comme ça. 1, 2, 3, on a ici 4, 5, 6, 7, voilà, les 7 badges Pokémon qui ont été créés donc à base de pâte Fimo. Que donc Créakimi a déjà fait sur sa chaîne et donc elle m'en a refait pour pouvoir me les offrir, car je rêvais depuis enfant, depuis l'époque de Pokémon, donc de posséder forcément les badges. Qui n'a pas rêvé d'avoir ces badges, honnêtement. Donc la lettre était le colis était accompagné de cette petite carte qui servait de lettre où elle me disait donc coucou Ibi, depuis le temps que je devais t'envoyer ce colis, j'espère que rien ne sera cassé, parce qu'elle a eu vraiment beaucoup de problèmes avec ses colis. Et d'ailleurs le deuxième colis que je dois filmer aujourd'hui, il a eu un problème. Je te montre ça, voilà, il y a eu un gros problème avec la poste, merci encore à eux. Et donc j'ai quand même mis du papier bulle, mais bon, je fais un petit découpage d'un dessin fait à la main de Noctali Shiny. Voilà, bientôt un colis pour Noël, bisous Ina. Alors il faut savoir que Noctali est le seul Pokémon qu'on a en commun, qu'on apprécie tous les deux dans la forme normale, le format Shiny. Parce que par exemple, rien qu'en légendaire, pour donner l'idée, moi je suis plus Mewtwo, elle est le plus Suga. En fait, en même temps, au niveau caractère, on est assez opposés. Et c'est ça, en fait, qui a fait notre force. On est un yin et le yang. Donc, voilà. Donc, la petite carte qui était très mignonne. Le premier colis que j'ai ouvert aussi, qui n'avait pas de numéro, c'était ceci. Un porte-clés qui est trop mignon. Et surtout, regarde bien. Regarde bien ça. Oui, c'est un maître de couture. Mais ce qui est encore mieux. Oui, parce que déjà, le maître de couture, c'est génial. Le porte-clés, le maître de couture, c'est encore mieux. Mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir appuyer sur le nez du panda pour pouvoir ramener le truc. Voilà. Par contre, mon amour de toujours, comment te dire que... Voilà, elle est, en fait, si tu veux, elle a donc tout emballé comme ça. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever un badge. Et en fait, elle a écrit, je sais pas, au feutre, ou je sais pas, peut-être au surligneur, j'en sais rien. J'ai les doigts tout roses. Voilà, donc si tu vois des doigts roses, ne te pose pas de questions, ce n'est pas la pâte Fimo. Mon badge préféré, ça reste au petit cœur. Pas par rapport à l'univers Pokémon, mais juste parce que du coup, ma meilleure amie vient de m'offrir un cœur. Voilà. Bon, je te fais bien entendu des zooms fast-up pour que tu puisses bien les voir tous en détail. Mais ils sont sublimes. Et je vais aussi te mettre en i la vidéo du coup où elle écrit tous. Elle a fait une seule vidéo. J'essaie de trouver un endroit où il y a un trou.
Donc elle a fait une seule vidéo, elle te montre comment tous les créer. Et sinon, si tu n'es pas très doué en pâte polymère, tu peux toujours lui passer une petite commande et les acheter. Et je pense qu'elle a dû m'envoyer que des trucs qu'elle a dû créer. Et c'est encore mieux, moi je trouve. Et c'est pour les plus anciens. Je sais qu'il y en a des plus anciens. Je vous rappelle juste que j'aime tellement ma meilleure amie en fait que un collier de pâte, et je ne déconne pas, m'a vraiment offert un collier de pâte, mais parce que j'y avais fait la phrase. Un collier de pâte suffit à me rendre heureux de sa part. Donc, voilà. Mais alors là, c'est encore mieux parce que Pokémon, c'est mon enfance, c'est le premier manga que je savais que c'en était un. Donc voilà. Ensuite, donc au fait, je te montre vite fait comment ça se présente. Ça se présente comme ça. C'était dans un petit coin ici. Le petit Nathalie était aussi ici. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de regarder par là. Et j'ai vu qu'il y avait des numéros. Ensuite, hop. Oh, oh. Alors, on est ici sur les trucs en éperle Emma. Emma. Je sais plus. Il y en a qui disent Emma, il y en a d'autres qui disent Emma. Et c'est donc un délit. Je ne sais plus trop son nom, mais bon, je pense que les vrais fans reconnaîtront. Et elle fait aussi des créations comme ça, donc n'hésite pas à lui demander tes envies, tes choix, tes... Voilà, mais il est juste magnifique. Alors c'est marrant, c'est que moi, vu de près, je trouve ça bizarre. De très très près, je sais pas. Et quand tu vois comme ça en retour écran, c'est magnifique. Mais parce que dans l'autre sens... Ah si, ça marche dans l'autre sens, ok, j'ai rien dit. Ça, c'est encore un mystère pour moi, ce genre de choses. Oh, elle m'a fait tous les lits. Oh putain. Aqualie, si je dis pas de conneries. Voilà. Il y a des poils de chat. Je dis rien. Hein, parce qu'elle a un chat. Je suis désolée du coup au niveau du fond, mais je ferai des fast-tabs aussi. Donc voilà. On a Philalie, si je dis pas de bêtises. Faut vraiment que je révise Pokémon. Oh, c'est bien, c'est que ça va dans les deux sens, c'est trop beau. C'est, j'en ai acheté un une fois comme ça avec un Noctalie. Et le Noctalie, il n'y avait qu'un sens en fait où ça rendait bien. Voltalie! Ah oui, moi, il ne faut pas grand chose. Hein. Tu vois, ça me suffit à m'éclater. Hop là. Mantalie! Petite dédicace à mon meilleur ami, garçon Jigger. Voilà. Parce qu'on devait faire avec le cosplay, je devais faire une fois justement. On devait tous faire les liens en version humanisée et il devait faire justement lui Mantalie, moi je devais faire du coup Noctalie en version normale et on devait être deux avec du coup Ina Aqualie. Alors ah d'accord, je viens de comprendre, je viens de capter, donc ça c'est Aqualie, personne m'a dit et je suis sûre que personne avait commencé à écrire dans les commentaires en me disant Ibi non tu t'es trompé, ça c'est pas Aqualie, c'est Gibrali, j'ai vu bleu. Mon cerveau, il a vu bleu, c'est tout. Hein. On a Pyroli, si je dis pas de bêtises. Tadam, c'est trop beau. On a Noctalie. Oh, c'est mignon, avec du gris finalement. Non, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les contrefaçons, elles étaient noires. Et les Noctalie... les vrais, pas les peluches, par exemple les peluches ou pas en contrefaçon, les origines, sont grises, alors que Noctalie, eh ben, il est noir. On a... Ah, comme ça, voilà. Parce que de près, ça... On a donc Evoli. Je crois que je viens de voir un truc violet et blanc, donc je dirais Mewtwo. Mon Mewtwo d'amour. T'as de la chance que j'ai dit rouge à lèvres, sinon je t'embrasserai. Ah, oh, il est trop beau. Oh, il est... Je vois un truc, j'ai un petit peu peur. Ah bah il n'y a plus que ça, tant mieux. C'est quoi ça?
J'ai un petit peu peur. Quoi? Mon Dieu, c'est quoi? Ah, je viens de comprendre, d'accord. C'est l'effet Pokémon, parce qu'en fait, si je dis... Ouais, c'est ça, c'est... je dis pas de bêtises. Donc, que je t'explique un petit peu. Donc, ce sont les fèves Pokémon qu'il y a eu un temps à Leclerc. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, Cri Akemi a donc passé dans un Leclerc. Je lui ai demandé de me les choper. Parce que moi, en fait, j'avais essayé en mangeant des gâteaux rois. Et avec les... la famille et tout ça, d'avoir la collection. Et en fait, il m'en manquait deux, je crois. Il manquait Croquine. Quoi, une fois que je l'ai eu, alors c'est qui manquait? Peut-être Flamion. Mais voilà, donc j'ai la collection des fèves officielles et je vais les laisser sous blister. Merci. Cette vidéo du coup sur mes 10 ans d'amitié avec Cri Akemi, donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo et cette ouverture t'aura plu. S'il y a quelque chose que tu as vu du coup au niveau création qui t'a plu, n'hésite pas surtout à aller la voir et à lui parler et à lui demander. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.